au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. La parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort cette parole, nous pouvons nous asseoir. Élevez ta taille spirituelle, car Dieu ne travaille qu'avec des géants. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est ou elle est déjà une géante? Amen. Ce programme ne finira pas que tu restes de courtes tailles. Dans de courtes tailles. Amen. Tu vas marcher maintenant avec des géants. Quand on parle de géants, donc de gras élevés, de femmes élevées, tu vas vivre le temps de ta prospérité et de ta grandeur. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était un envoyé d'Abraham auprès de l'épouse de son fils qui s'appelle Isaac. Et les aînés de Damas travaillaient d'Abraham, serviteurs fidèles dans la maison d'Abraham. Et Abraham le gira par sa cuisse en disant que si tu vas prendre une femme pour mon fils, n'essaie pas de prendre de femme païenne, va chercher une femme qui a notre sémence. Alléluia. Et voilà comment Élisée de Damas va prendre son chameau ainsi que d'autres serviteurs pour aller chercher une femme qui devait convenir à Isaac. Et la Bible nous dit, il fit reposer les chameaux parce qu'ils étaient fatigués de la route sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Répète après moi, au temps du soir. Au temps du soir. Plus fort, au temps du soir. Au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Ils ont reposé leurs chameaux au temps du soir. C'était au temps où les filles sortent de la ville pour aller épuiser l'eau le soir. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de traverser le temps du soir. Bibliquement parlant, ça c'est le temps du soir. Ce n'est pas toutes les églises qui auront la révélation du temps du soir. Ce sont les filles qui ont la révélation, qui sortiront au temps du soir pour aller épuiser l'eau. Et lorsque nous parlons de temps de l'ignorance, c'est le temps de l'église qui a la connaissance de la parole de Dieu qui va recevoir la bénédiction de Dieu. Oh, je crois que tu peux dire l'amen le plus fort. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est symbolisée par l'eau. Amen. Lorsque nous t'avons dit, amène une bouteille d'eau, on s'en fout de l'eau en diable, de l'eau minérale, mais ce que nous connaissons, cela va nous aider juste pour un symbole qui va attirer quelque chose dans ta vie pour que le miracle de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu me dis amen, le miracle de Dieu. Au temps du soir, or la Bible nous dit, là, qui allait à l'appui, cela veut dire que c'est l'Église qui a soif de la bonne parole à cet temps où nous sommes pour être bénis, pour être sauvés. C'est plusieurs femmes qui sont sorties au temps du soir pour aller au puits. Mais laquelle sera une femme révélée? Ils étaient nombreux, ils avaient des cris à la tête, ils partaient pour puiser de l'eau, mais tous n'avaient pas la révélation. Amen. Mais tous ne voyaient pas les choses de la même manière. Amen. Tous n'avaient pas la même dimension, tous n'avaient pas la même taille. Amen. Parmi eux, ils se distinguaient de leur dimension. Amen. Nous connaissons l'histoire, la Bible nous dit que Éliézer de Damas se tenait à côté avec des chameaux. Et lorsque les filles remontaient avec l'eau, gloire à Dieu, parce que tous ils avaient de l'eau. Il n'y avait personne où sa cruche était vide. C'est le temps où nous sommes, toutes les églises, puisque c'est nous qui avons la puissance. C'est nous qui avons la gloire. Si tu viens chez nous, le miracle authentique, chez nous c'est comme ça. Il y a comme une confusion. Nous sommes au temps où nous ne savons pas, comme on dit, et en Côte d'Ivoire, le soir où la nuit, tous les chats sont gris. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. On ne sait plus à quelle église il faut aller prier. Amen. On ne sait plus à quel pasteur faire. Amen. Il les a fait donner la connaissance. Amen.
Il les a donné l'argent pour aller dans les corps humains, pour aller apprendre encore. Amen. Ils sont en train de parler plus que même ceux qui sont choisis par Dieu. Amen. Ils sont en train de faire des miracles plus que ceux qui sont appelés par les Seigneurs. Amen. Et la Bible nous dit, au temps du soir, vous allez les voir, vous allez les écouter, vous allez les suivre dans vos télévisions, dans vos maisons. Mais attention pour ceux qui sont choisis par Dieu. Ne les suivez pas parce que ce sont des faux prophètes qui sont venus pour amener plaisir à la perfection. J'ai béni le Seigneur pour ta vie. Amen. Parce que tu es ici. Je répète encore, je béni le Seigneur pour ta vie. Amen. Parce que tu es conduit par un homme de Dieu, ou un qui craint Dieu. Amen. Et qui marche avec le tendard de la parole de Dieu. Amen. Donc écoute-moi, acclamons très fort pour cet homme. Parce que son Dieu est là. Bien salué. C'est l'image de ces femmes. Et la Bible prophétique m'a dit, dans ce temps de la fin, ils auront les oreilles, mais ils ne pourront pas entendre. Ils auront des yeux, mais ils ne pourront pas voir. Parce que l'impie, l'homme méchant de ce temps de la fin, les a aveuglés pour ne pas venir en fait de sommeil et de âme. Écoute-moi, ce n'est pas tout le monde qui peut prier. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas tout le monde qui peut se convertir. Si cette terre, il y a le fils de la perdition. C'est... Non, regarde-moi bien, si la perd, c'est lui-là. Voilà pourquoi moi j'ai dit, dans le ministère où Jésus m'a donné, quand je prêche à l'église, je dis, je suis contre les gens qui viennent se familiariser dans l'église. Oh non, nous sommes des miennes, restons dans les miennes. Nous sommes les ceci, on reste dans ceci. Mais écoute-moi. Tu ne connais pas la personne qui te dit c'est ma sœur, c'est ma frère. Tu ne connais pas son état d'âme. Plusieurs personnes ont perdu leur objectif qui les ont amenés dans l'église. Je t'ai venu ici parce que tu étais malade. Je t'ai venu ici parce que tu avais soif de Jésus. Je t'ai venu ici parce que tu avais besoin de changer ta vie. Dieu t'a fait grâce. Dieu est arrivé quand même. L'homme de Dieu t'a reçu. Il t'a parlé de la part de Dieu. Mais après, tu as pris tes oreilles, tu as donné à un frère, à une sœur que tu as trouvée ici. Comment tu trouves cette église? Pense-tu qu'il te dira de bonnes choses? Si ce serait qu'elle était détournée, elle était déroutée de la voie normale. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'arrivent plus à voir la main de Dieu. N'arrivent plus à voir le miracle de Dieu. Parce qu'elles sont devenues des suivistes des choses.
parle aux gens ici, il va te dire, oh, t'es chaud, oh, le pasteur là, je le connais, il est comme ça, il est comme ça, oh, celui-là, je le connais, il est comme ça. Il y a des gens qui maîtrisent les gens, c'est comme s'il est né avec lui-même. Père. Tu maîtrises un petit vérité, mais tu n'as pas toute la vérité. Une fois, je me coiffe dans un salon contre moi. Je me coiffe au salon parce que je passe à la télé, je passe à la radio, je suis prêt, je suis connu. Et il y a un monsieur qui parlait le mal de moi, il était dans ce salon. Il dit non, mais il y a un jeune pasteur là qui passe là, vraiment en tout cas. Oh, vraiment, moi, je le connais, mais c'est un bourré de jupons, c'est un pantalon, c'est comme ça. Oh, l'autre demande, c'est quel pasteur là? Dit, oh, il passe à un service là, le pasteur là, c'est ma bagarre. Or, ma bagarre, c'est moi-même qui est là. Comme j'avais beaucoup de cheveux, quand je rentre en jeune, je laisse pousser beaucoup de cheveux, donc j'étais un peu confondu, il ne savait pas que c'est moi. Il a parlé, parlé, je l'ai laissé parler jusqu'à la fin. Après l'autre dit, oh, c'est vrai, ça dit, oh, je connais, je le maîtrise bien, moi je le connais très bien. Quand il finit de parler, il me connaît, je tourne la chaise là devant ce coiffe là. Je lui regarde, je dis, bonjour mon frère. Ah, bonjour monsieur, bonjour. Je dis, tu me connais? Ah non, je ne le connais pas. Tu m'as déjà dit, oh non, je t'ai jamais dit. Ah, mais toi tu dis que tu me maîtrises. Il ne faut jamais laisser les gens le temps. Tu as un objectif à terre. Écoute-moi. Aucun homme sur cette terre te laissera la vie. On peut être des amis au moment où on galère. Oh, tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais si l'un de nous arrive à accrocher la ligne, à monter, c'est le même ami là. Parce qu'il a mis son ascension, il a mis son élévation, il a mis sa grandeur. L'homme ne supporte pas l'élévation de l'autre. Oui, pauvre. Et toi, tu vas mourir célibataire parce que tu n'as pas la révélation. Amen. Papa, elle sort le matin avec sa bouche ouverte et la rien. Le matin là. Vous savez, quand la maison vient, ce n'est pas parce que tu as mis le rouge à lèvres que la maison va venir. Elle était sans colère, c'était le père. Un monsieur avec la range ouverte blanche s'est arrêté là-bas. Il appelle ma sœur, viens d'abord. Il dit formation. 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 Donc pour lui, l'homme qui peut l'appeler là, il doit avoir un pantalon troué ici, avec des chaussures dures. Ah, là c'est Dieu. Non, là c'est Dieu, papa c'est Dieu. Tout ce qui est gloire pour toi c'est diable. Tout ce qui brille pour toi c'est Satan. Tout ce qui est pour ton bonheur c'est ça du mal. Qui t'a dit que Dieu est dans le mal? Notre Dieu, il dit l'or est à lui, l'argent est à lui. Amen. Comment pourrons-nous comparer un créateur à une créature? Alléluia.
déjà cette semaine, tu vas retrouver ta possession. Tu vas retrouver ta place. Parce que tu es Rebecca. Si tu avais perdu ta place, je suis venu pour ton mariage. Et je suis venu pour le mariage de Rebecca. Je suis venu pour ton élévation. Je suis venu pour ta grandeur. Je suis venu pour ton travail. Je suis venu pour ton identité. Tu dois reconnaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Verset 12. Tu descends jusqu'en bas. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Cet homme devient quoi? Riche. Et il fait quoi? Et il alla s'enrichissant de plus en plus. On répète encore, cet homme devient quoi? Riche. Et après quoi? Et il s'en alla s'enrichissant de plus en plus. Encore cet homme devient quoi? Riche. Et il s'en alla? Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Il deviendra riche. Amen. Et il alla de s'enrichir. Amen. De plus en plus. Amen. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, la richesse va arriver dans ta vie. Amen. Parce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce que il devint fort riche. Il deviendra fort riche. Oh, tu ne crois pas. Amen. Il deviendra fort riche. Amen. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Voilà. Et aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Acclamons très fort la parole. Amen. Isaac était de passage dans ce pays. Et nous savons l'histoire comment Abimélec a voulu sortir avec sa femme, Rebecca. N'est-ce pas cette Rebecca qui a eu la grâce de donner l'eau au chameau? Alléluia. Amen. Qui a saisi l'opportunité. Et en donnant l'eau au chameau, elle est devenue la véritable femme d'Isaac. Et plus tard, ils se sont retrouvés auprès d'Abimélec. Voilà comment Abimélec dit à Isaac d'aller plus loin avec sa femme, parce que sinon, s'il avait commis le règne de la prendre comme la femme, Dieu pouvait la frapper. Au moins, il a reconnu la grandeur de Dieu. Je sais que les gens de ta famille, ils connaissent la grandeur de ton Dieu. Amen. Les sorciers de ta famille connaissent la grandeur de ton Dieu. Amen. Ils savent que notre Dieu est puissant. Amen. Attends très fort parce que ton Dieu est puissant. Amen. Et la Bible nous dit que Isaac alla un peu plus loin pour aller rester dans ce pays où Abimélec lui avait donné. Et Isaac a recueilli dans cette année de centimes, car l'Éternel a béni sa vie, a béni cet homme qui devient riche et s'enrichissant de plus en plus. Alléluia. Amen. Dans un contexte qui n'est pas le leur, il n'était pas de là, mais Dieu l'a mené là-bas pour régner.
Écoute-moi, Dieu peut te bénir partout. Amen. Même là où on ne te connaît pas. Amen. Même là où tu es étranger. Amen. Dieu, si tu arrives dans ta terre de bénédiction, il te bénit. Amen. Voilà pourquoi je prophétise ce soir que tu es dans ta terre de bénédiction. Amen. L'an 2022, c'est ta terre de prospérité. Amen. Si tu dis Amen, reçois cette prophétie. Amen. Reçois cette prophétie. Amen. L'an 2022, tu vas réaliser des choses. Amen. Tu n'as pas réalisé dans l'année passée. Oh, le soir sera au nom de Salut. Et Isaac devient riche et fort riche. Mais lorsqu'il devient riche, la Bible dit, le peuple de la ville ont commencé à avoir des rancœurs et des mauvais cœurs contre lui. Pourquoi? Parce qu'il était devenu riche. La richesse ou ta bénédiction va attirer beaucoup de ennemis. Amen. Ton élévation va attirer beaucoup de combats. Amen. Écoute-moi, il y a beaucoup de gens qui crient, je ne sais pas pourquoi je suis combattu. À tout moment, je suis menacé. Les gens ne m'aiment pas. Le jour où les gens vont commencer à t'aimer, Dieu le fait avec toi. Amen. Le jour où tu rapides les combats, Dieu le fait avec toi. Amen. Le jour où tu auras la paix à toi, cela veut dire que Dieu t'a quitté. Amen. C'est lui qui a la chance de Dieu en lui, est toujours menacé, est toujours combattu. Isaac est venu dans ces contrées parce que c'était depuis que son père Abraham avait graissé et il a laissé cette richesse. Mais lorsqu'il était en train de gérer cette richesse lui a mené des problèmes parce que dans cette époque, avoir une puits d'eau, c'était comme quelqu'un qui a une puits de pétrole aujourd'hui. C'était une forte richesse. Nous négligeons aujourd'hui le puits d'eau. Mais le puits d'eau à cette époque donnait beaucoup d'argent. Et les serviteurs d'Abimelech, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la terre. Ils sont allés fermer tous les puits que Isaac avait. Lorsque les serviteurs d'Isaac viennent le matin, ils regardent comme ça, tous les puits ont été fermés. La fille et le fils des promesses ont pu fermer tous les portes dans sa vie. Mais l'Éternel va ouvrir les portes. Isaac a dit, ce n'est pas un problème. Abimelech vient le matin, il dit, mes serviteurs ont fermé toutes les puits, mais je vous chasse d'ici, allez-y plus loin d'ici. On croyait que sa richesse va finir, il va s'appauvrir. Il y a certaines personnes qui pensent que si on te combat, si on te chasse, si on t'enlève de là, tu vas souffrir. Non, lorsque tu as déjà la prophétie de Dieu dans ta vie, même si on t'enlève dans ce milieu, l'Éternel va te lever là où tu vas. Pour aller creuser encore de nouvelles puits. Qui a même plus fort. Amen. Cette année, là où tu as échoué et tout, là-bas, tu vas réussir là-bas. Amen. Cette année, ceux qui ont donné un nom à ta vie, parce qu'ils t'ont vu avec le même habit, le même chaussure, chaque mois, des mèches qui sont devenues dures, ils seront surpris de voir. Amen. Maintenant, c'est le changement de ta vie, c'est l'élévation de ta vie. Et c'est que les serviteurs d'Abimelech ont parlé à Abimelech pour le chasser de là. Et là où il est allé, la Bible déclare, il creusa d'autres puits et il trouva encore de l'eau plus que là où il était. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Isaac a crié. Il dit, oh Rehoboth, l'Éternel Dieu m'a mis au large. Rehoboth, l'Éternel Dieu m'a mis au large. M'a mis au large. C'est que mes ennemis ont voulu pour moi. L'Éternel m'a mis au large. Ce soir, je dis à une femme, je dis à un homme, mon Dieu, le Dieu de Roméo va te mettre au large. Je t'appelle.
parce que le Seigneur l'a promettre à sortir dans le corps. Si elle prêt ce soir, est-ce que tu es prêt ce soir? Reçois ton miracle, reçois la puissance, reçois ton miracle.
reçois cette gloire, reçois cette grâce. Par le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chantons par la voix. Je suis géant financièrement, matériellement.